Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai craqué. Voilà, je n'avais pas mis un pied chez Action depuis mi-janvier, mais là voilà, il y avait des choses que je devais acheter. Et voilà, enfin j'avais envie quoi. J'ai beau me restreindre, après voilà. J'ai totalement changé ma façon de consommer chez eux. C'est-à-dire que maintenant je prends un produit dans les mains et je me dis Céline. Vraiment, c'est un achat d'impulsion, c'est quoi exactement? Pour être sincère avec vous, j'ai des lampes de chevet. Et j'ai trouvé, enfin, ils étaient là, hein. Des lampes de chevet comme mon lustre de ma chambre, vous savez, en osier. Elles étaient à 10 euros, elles étaient mes canons, mais voilà, comme pas possible. Voilà, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis dit, non Céline, tu as des lampes de chevet, elles sont belles, elles sont peut-être pas canons comme ton lustre. Mais voilà, je les ai laissés en rayon, j'étais super fière de moi. Bref, allez, je vais vous montrer, on va dire, mon craquage, mais vous allez voir, il est plutôt raisonné. Alors, la seule chose que j'aurais peut-être pas dû faire, c'est de prendre les enfants avec moi. Mais bon, je me suis dit pour une fois, ils adorent aller chez Action, hein, en même temps, c'est un petit peu compréhensif, mais ça va, on a été très raisonnable. Alors, j'ai acheté ceci. Alors, c'est la première fois que je le trouve. C'est le vinaigre ménager en version 5 litres. Si je dis pas de bêtises, il est à 3 euros et des bananes. Je vais essayer de vous mettre les prix. Mais franchement, je trouvais que c'était plutôt canon. Enfin, c'était pas trop cher. Donc voilà. Ensuite, on a acheté ceci. Bon, poupette, elle a craqué. C'est les nouvelles peintures, enfin je les avais jamais vues, c'est des peintures pastel que je trouve vraiment très sympa. Bon là pour être franche avec vous, c'est un achat, la peinture, ils s'en servent toujours. J'ai trouvé, alors ça fait fureur sur les réseaux, je ne connaissais mais pas du tout, j'ai absolument fouillé de long en large le rayon création et j'ai trouvé ceci en bas du rayon et sincèrement... On va voir ce que ça donne avec Poupette, si elle kiffe ou pas. Mais c'est des petits cercles que vous venez... En fait, ça s'accroche entre eux, si je comprends bien. Et... je saurais pas vraiment vous expliquer hein, comme ça, mais ça a l'air plutôt canon. On peut faire des fleurs, on peut faire des lettres. Et il paraît que sur Pinterest, il y a énormément de... D'idées, ce produit est à moins de 4 euros et d'après ce que j'ai compris, c'est super cher ailleurs. Enfin, apparemment, je crois que c'est passé 12 balles ou un truc comme ça. J'ai acheté ceci, c'est des petites pochettes. J'en ai déjà, j'en avais acheté en décembre. Je trouve ça super. Bon, là, c'est pour Poupette. Mais pour info, moi, je les avais achetées, j'en ai acheté 3 pour ma cuisine. Pour mettre les papiers, vous savez, les papiers à ranger, les papiers à traiter et... les brochures, vous savez, friterie, pizza, etc. J'avais classé comme ça et ça fait beaucoup plus propre dans mon tiroir. Ensuite, alors ça j'ai pris ça, bon j'ai anticipé j'avoue, mais j'ai pris des petits sacs, vous savez comme ça là, pour les anniversaires des loulous. Ils sont à 70 centimes, je les avais jamais vus et je trouve que c'est vraiment pas cher. D'habitude je prends ça en plastique. Mais voilà, ils sont plus chers que ceux-là. Donc j'ai pris en version donc licorne. Je sais pas si vous voyez bien ici. Licorne pour Poupette. Et bon, il n'y avait pas trop de motifs pour les garçons. Donc on a pris ça pour Chouchou. Étant donné qu'ils sont un peu moins de 30. Voilà, je me dis, c'est toujours moins cher que les licences, etc. Ensuite, j'ai acheté donc du bicarbonate de soude. Alors vous allez dire, voilà, le vinaigre, ça, oui. J'ai décidé, enfin je vais essayer... de tester les produits ménagers maison, voir un peu ce que ça donne. Je suis perplexe, hein. Je me dis ça fonctionne pas, c'est facile à faire ou pas, c'est mieux pour la planète et en même temps ça m'intrigue, donc je vais tester ça et je vous ferai un retour. Bon, comme d'habitude j'ai pris le sac poubelle lavande, j'y allais pour des piles. Sac poubelle, pile, oui, j'y allais quand même pour des choses que j'avais besoin. Même les autres choses, hein, j'en ai besoin. J'avais fait ma petite liste et je m'en suis référée à ma liste. Donc, des piles pour les jeux des loulous. J'ai pris
comme d'habitude les lingettes pour le linge, des lingettes, non mais je vous jure, j'ai acheté ça pour les colis Vinted, à savoir qu'il n'y avait plus, d'habitude je prends le marron mais il n'y avait plus rien. Donc j'ai pris cela, à savoir qu'il y avait vraiment un monde, mais de dingue. C'est la première fois que je vais chez Action. Alors c'est vrai que d'habitude j'y vais pas, je bosse normalement le mercredi après-midi. Donc, mais là, mon dieu, vraiment un monde de dingue. Alors à la base, Greg m'avait envoyé surtout pour ça. Alors, pour les Dahlia. Alors à savoir, donc j'ai pris Dahlia et j'ai repris celle-ci. Sincèrement, vous pouvez y aller. J'ai acheté des lisses il y a 4 ans, je crois. 4 ans, à ce temps-là, j'ai envie de dire. Vous savez, quand il n'y avait pas l'inflation, etc. Je les avais payées même pas 80 centimes. Et aujourd'hui, 4 ans après, elles se sont développées à fond. Ça fait que j'ai une ligne de lisses pour 80 centimes. Donc sincèrement, lui voulait absolument celle-ci et moi j'ai repris cela. Donc c'était ça que j'avais pris, mais moi c'était rose et blanc je crois que j'ai pris. Et elles sont mais topissimes, sincèrement. Nous on les laisse dehors, on n'enlève même pas les bulbes, ils restent toute l'année en terre et ça fait des fleurs mais juste sublimes. J'ai acheté ceci, c'est super important. Je la trouvais trop belle avec son manche en bois. Donc voilà, l'achat utile, là on est d'accord. Ensuite, je suis trop contente, j'ai retrouvé la fameuse nappe que j'avais totalement, enfin les enfants me l'avaient tuée. C'est celle-ci, la nappe est faite lamelle de bois, elle est juste mais trop canon. Je vais essayer de vous l'installer, je vous la montrerai tout de suite après posée sur ma table. Mais c'est vraiment une nappe que j'adore parce que je la trouve trop belle. Et elle suit totalement avec ma déco. Bon, après, c'est des achats pour les enfants. Donc, ils ont été très raisonnables, je leur avais dit. Voilà, maintenant, maman, elle va changer un petit peu. On arrête d'aller chez Action et d'acheter 10 cadeaux. Enfin, c'est pas 10 cadeaux, mais ça, plus ça, plus ça. Ben, on arrive, voilà, quand même. Et je leur ai dit, vous avez le droit à un cadeau. Bon, c'est un petit peu compliqué, voilà. Donc, bon, ils en ont pris deux. Mais ma foi, ils ont pris ça. Donc très raisonnable, hein, parce que je crois que c'était 49 centimes ou un truc comme ça. Je vous mettrai les prix, hein, en dessous à chaque fois. Mais voilà, des petits... hop, ça fait des petits carnets autocollants, c'est ouais, sympa. Et puis eux, ils adorent ça. Donc Poupette a pris licorne et Chouchou a pris des petits chiens. Et ensuite, Poupette a acheté ça. Je sais pas si vous connaissez, c'est une petite baguette coquillage qui fait de la lumière. Enfin, la lumière change. Elle était à 2,49 je crois. Ça doit être ça à peu près. Bon, elle est plutôt canon, hein, elle est belle. Hein. Bon voilà, c'était... on a longtemps réfléchi. Hein. C'était long. On a vraiment regardé en long, en large, en travers les... comment ça s'appelle le rayon. Bon, Chouchou a pris 3 petits trucs. Mais bon voilà, c'est pas un cadeau, c'est que sa sœur elle a pris ça. J'ai dit, tu prends au même prix à peu près, donc je vais te montrer ce que tu peux prendre. Et il a trouvé ça. Alors il était mais heureux comme jamais. J'essaie de bien vous les mettre. Hop. Les petites figurines Marvel, alors ils ont sorti des petites figurines comme ça. Moi je connaissais les grandes, enfin les versions à 5€. Et ils ont sorti une version comme ça à peine, c'est même pas 1€. Donc il a pris Captain America, il a pris Spider-Man et Iron Man. Alors il y en avait d'autres hein, bien sûr, Black Panther, etc. Alors il me dit mais moi je les veux tous. Bah, j'écoute mon lapin, tu les auras la prochaine fois, on va pas tout prendre aujourd'hui. Donc voilà. Franchement, elles sont plutôt pas mal. Qualité, je dirais qu'elles sont très belles pour le prix, franchement. Donc voilà. Bon alors, qu'en pensez-vous? Achat raisonné? Moi je trouve, hein, sincèrement, de mon côté déjà j'ai rien. À part les trucs pour les produits ménagers. J'ai envie de dire, pour une fois, ça s'applaudit. C'est pas que d'habitude je vais chez Action et que j'achète, si j'achète beaucoup. Mais c'est que sur le coup, je me dis que c'est toujours utile. Et après, ça change un peu. Donc voilà, ce haul est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur cette nouvelle chaîne. J'ai vraiment besoin de vous, de vos likes, de vos commentaires. Voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, avant que j'oublie, je vous montre de suite donc la nappe qui est posée. Franchement, elle est très belle pour le prix.
J'en suis super contente. Et je vais vous montrer, Poupette, elle est en train de jouer avec le jeu que je lui ai pris. Ce sera moins facile de les prendre. Ah d'accord, parce que alors je voulais vous montrer sa création, mais elle l'a enlevée et elle est en train de les trier. Donc le but en fait, hop, je vous montre un peu, c'est de faire des fleurs, enfin des lettres, vous pouvez vraiment tout faire avec, des petits chats. Voilà, bon, je vous montrerai quand elle aura fini, parce qu'au lieu de jouer, elle les trie. Bon.